Hello, my name is Spot. Hello, I am Easter Bunny. Hello, my name is Helen. Hello, I am Mama Spot. The Easter Bunny has hidden some eggs for you, Spot. How many eggs did the Easter Bunny hide? One egg, two eggs, three eggs, four eggs, five eggs, six eggs. Six eggs. Come on, Helen, let's fight them. As Spot found the first egg. Yes. Spot and Helen have found three eggs. Add them more. Yes, three. What's behind the sack, Spot? Another egg. May I have it? Maybe some eggs are inside the house. Sorry, only cheese here. Has Spot found another egg? Go away! Did you find all the eggs, Spot? Yes, and we saved one for you. Happy Easter, Mom! Goodbye! Un loup qui avait très bien mangé et n'avait plus faim du tout décide de faire une petite balade dans les bois. C'est l'idéal pour bien digérer et en même temps j'en profiterai pour vérifier ce qu'on pense de moi. Il rencontre un joli petit lapin de garenne. Bonjour, belles oreilles, dis-moi qui est le plus fort. Le plus fort, c'est vous, maître loup, incontestablement et sans aucun doute, c'est absolument certain. Le loup, très fier, continue sa promenade dans les bois. Comme je me sens bien dans ma peau. Il rencontre alors le petit chaperon rouge. Sais-tu que cette couleur te va à ravir? Tu es mignonne à croquer. Dis-moi, mouchette, qui est le plus fort? C'est vous. Ça, c'est sûr. Grand loup, on ne peut pas se tromper. C'est vous le plus fort. C'est bien ce que je pensais. C'est moi le plus fort. J'aime qu'on me le dise et qu'on me le répète. J'adore les compliments, je ne m'en lasse pas. Un peu plus loin, il rencontre les sept nains. Eh oh, les anciens du boulot, c'est vous qui êtes le plus fort? Le plus fort, c'est vous, monsieur le loup. C'est évident.
je suis le plus féroce, le plus cruel. C'est moi le grand méchant loup. Ils sont tous morts de peur devant moi. Je suis le roi. Il rencontre ensuite les trois petits cochons. Que vois-je, trois petits cochons loin de leur maison, comme c'est imprudent. Dites-moi, les petits dodus, qui est le plus fort ? Le plus fort, le plus costaud, le plus beau, c'est assurément vous, grand méchant loup. C'est clair, c'est net, ça ne se discute pas, tout le monde le sait. Je suis la terreur de ces bois, c'est moi le plus grand des méchants. C'est alors qu'il rencontre une espèce de petit crapaud. Salut, horrible chose. Je suppose que tu sais qui est le plus fort. Oui, bien sûr, c'est ma maman. Quoi, pauvre gargouille, misérable artichaut, tête de lard, tu cherches la bagarre? J'ai du mal à entendre. Qui est le plus fort, s'il te plaît? Mais je te l'ai dit, c'est ma maman qui est la plus forte et c'est aussi la plus gentille. Sauf avec ceux qui sont méchants avec moi. Et toi, qui es-tu ? Moi, je suis le petit gentil loup. Allez, on y va les garçons. Ouh ! Ah, c'est une surprise. On va à la fête foraine ? Oui. Oh mon Dieu, la queue ! Ah, il a l'air super ce manège. On prend le ticket et on va à l'animalerie. Prenez le ticket. Merci. Ici. La biche a disparu. Vous avez vu la biche? Vous avez vu la biche? Elle est où? Garçon, on va voir le chien. Allez, ma belle. C'est trop mignon. Vous voulez que je les sorte? Oh, ouais. Regardez. Waouh. Il y a une semaine, une chatte et une chienne ont accouché. C'est super mignon. Ils n'ont pas de papa? Si, mais on les a récupérés enceintes. Mais c'est pas la biche là en face? Pourquoi? Non, c'est je crois faire du malheur. Non? Non.
le jour où le tigre a eu des rayures. La vie était douce dans ce petit village au nord du Vietnam. Il y faisait bon vivre jusqu'au jour où apparut un jeune tigre. Sur son passage, il avait semé terreur et affolement. Pourquoi es-tu attaché ? Je garde la maison et les biens de mon maître. Qui est ton maître ? L'homme. Je ne connais pas cet animal. Oh, il est le plus fort de nous tous. A-t-il des crocs pointus comme toi ? Non, mais il est pourtant le plus puissant de nous tous car il a une autre force. Une autre force ? J'aimerais bien me mesurer à lui. Je te conseille de te tenir à distance de l'homme. Mais le tigre ne l'écoutait plus. Il était déjà reparti dans la forêt tropicale. Le lendemain, le tigre surgit de la forêt lorsqu'il rencontra un buffle. Pourquoi es-tu attaché à cette charrue ? Je vais labourer dans les rizières pour mon maître. Qui est ton maître ? L'homme. Ce n'est pas possible. Toujours lui ? A-t-il des cornes pointues comme toi ? Non. Il n'a pas de cornes comme moi, mais il est pourtant le plus puissant de nous tous. J'aimerais bien comparer ma force à celle de cet étrange animal qui n'a ni crocs, ni sabots, ni cornes. Surtout, ne t'approche pas de lui. Tu le regretteras. Mais le tigre ne l'écoutait plus. Il était à nouveau reparti dans la forêt tropicale. Les villageois avaient découvert les empreintes du tigre. Ils partaient maintenant la peur au ventre travailler dans les champs ou dans les rizières. Tous refusaient de s'éloigner du village et d'aller couper du bois dans la montagne de peur de se trouver face à la bête féroce. Tous, sauf un jeune homme qui déclara « Je reste sur la montagne. Nous n'avons presque plus de bois pour nous chauffer et cuire notre riz. Si personne n'ose y aller, alors moi j'irai. » Le jour suivant, le jeune homme partit sur la montagne. Toute la matinée, il coupa du bois et lia des branches en fagots. À midi, le soleil brûlait tant qu'il décida de se reposer lorsqu'il ressentit une sensation bizarre. Le tigre sortit lentement de sa cachette, s'assit face au jeune paysan et lui demanda « Est-ce toi l'homme ?»« Oui, c'est moi. » »« Est-il vrai que tu es le plus fort de tous les animaux ?»« C'est ce que l'on dit, en effet. » »« J'aimerais me mesurer à toi. » Volontiers, mais il y a un problème. Dis-moi vite lequel. Je ne peux pas t'affronter avec mes habits de paysan. Il me faut revêtir ma tenue de combat. Alors, dépêche-toi. Oui, mais je dois aller la chercher au village. Eh bien, fais vite, cours, je t'attends ici. Je ne te crois pas. Comment ça ? Tu profiteras de mon absence pour te sauver. Pas du tout. De toute ma vie, je n'ai jamais eu peur. Je t'attendrai. Si tu ne me crois pas, prends ta corde et attache-moi à cet arbre. Comme ça, tu seras certain de me retrouver ici à ton retour. Le jeune homme prit la corde et ligota solidement le tigre à l'arbre. Il fit plusieurs fois le tour du corps de l'animal et termina par un nœud bien serré. Le paysan courut vers son village. Il prit un tison brûlant dans la cheminée et ressortit aussi vite du village. Le jeune homme retourna auprès du tigre toujours attaché à l'arbre. Mais où est ta tenue de combat, homme ? Et qu'as-tu dans ta main ? Eh bien, je vais te montrer. Il se pencha et posa le tison brûlant sur la corde qui entourait le corps du tigre. Il souffla dessus et une étincelle jaillit. Le jeune homme se redressa et partit aussitôt en courant. Bien vite, le tigre commença à sentir la petite flamme qui courait sur la corde et il comprit alors que l'homme s'était joué de lui. Reviens, l'homme, reviens me détacher ! Mais il n'eut bien sûr aucune réponse. La corde enflammée brûlait sa peau tout le long de son corps, et l'animal se débattait en hurlant de douleur. Il banda une nouvelle fois tous ses muscles, et la corde craqua enfin. Le tigre s'arracha de l'arbre et se précipita dans le ruisseau qui coulait tout proche pour éteindre le feu qui rongeait son pelage. Le fauve regagna le plus profond de la forêt, et plus jamais il ne s'approcha de l'homme et de ses villages. Et c'est depuis ce jour que le tigre a une fourrure jaune rayée de bandes noires. Son pelage garde des traces de ses anciennes brûlures.